Et bonjour à tous les amis, c'est Brazy, votre gamer favori. Donc, on se retrouve pour la boutique du genre de Fortnite, donc du 11 avril 2024. Donc, avec à la lune le Fortnite Flow, donc avec Get Ready, donc pour 500 V-Bucks, une mode série icône pour 500 V-Bucks. Donc, gardez l'œil sur la zone d'embut, saison 6, chapitre 2. Ensuite, vous avez Jingle Ball, emote, donc toujours série icône pour 500 V-Bucks. Donc, vous devez absolument voir ça, saison 3, chapitre 3 pour 500 V-Bucks également. C'est parti! Une autre emote série icône pour 500 V-Bucks. Il faut que ça bouge. Saison 3, chapitre 4 pour 500 V-Bucks également. Le Mayayayi. Donc la petite emote série icône. On lève les mains. Saison 4, chapitre 3 pour 400 V-Bucks. Toujours en série icône. Le Bust Move. Donc l'emote encore série icône pour 500 V-Bucks. Faites votre meilleure pause. Saison 4, chapitre 4. Emote synchronisée. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Toshiro. Donc qui fait son arrivée dans la boutique. Donc. Cette saison et ce chapitre fait partie de l'ensemble appel de Chiton, donc un cœur inflexible pour un esprit indomptable, donc avec sa version Lego, avec sa carapace de Toshiro qui est son accessoire de dos, la cuirasse d'un guerrier, le katana cranté, donc c'est sa pioche, accrochez votre cible, et pour finir le katana cranté, qui est le deuxième, pour finir le Chiton de guerrier qui est le revêtement d'armes, donc. Rien de spécial, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Toshiro avec sa version Lego et la carapace de Toshiro, accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Le katana cranté, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le chiton de guerrier, son petit revêtement d'armes, donc pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Sirocco et ses trois customs. Donc, elle a émergé des sables antiques, partie ensemble le sable éternel, saison 9, premier chapitre avec donc ses trois customs. Donc, la première, la deuxième. Et pour finir, la troisième, donc avec sa version Lego, le tout pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack PJ, donc avec PJ qui fait partie de l'ensemble Castoman, donc saison 1, chapitre 5, donc qui est tenu réactif, avec ou non la réactivité d'ailleurs. Voilà, avec sa version Lego, avec son astral enceinte, donc qui est son accessoire de dos, balancez votre meilleur compile, donc lui aussi avec la réactivité ou non. Et avec sa cassette cassante qui est sa pioche, donc le tout pour 800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez PJ donc avec sa version Lego, avec son Astral Enceinte donc pour 1200 V-Bucks. C'est bizarre qu'elle est plus chère hors pack dans le pack. Le pack il fait 800 V-Bucks, donc moi ça sent V-Bucks de réduction. Enfin, il y a 800 V-Bucks le pack, et elle tout seule fait 1200 V-Bucks. Bon, bref, donc avec PJ, donc. Pour 1200 V-Bucks, avec sa cassette cassante qui s'appioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Sonore qui fait son retour, donc qui va attirer l'ensemble Futurosonic saison 1, chapitre 5, donc avec ses trois customs là par défaut. Voilà. Avec ou sans les lunettes d'ailleurs, voilà. Donc, le tout pour avec sa version Lego et sa patine Futurosonic, donc qui sont accessoires de dos, elle, avec ses deux customs, donc voilà. Avec la réactivité ou non, tout simplement pour 1500 V-Bucks. La plus vieille intéressante résonance, c'est sa pioche pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Clan du Faucon qui fait son retour, donc avec Uno et ses deux customs, sa version Lego. Kenji avec sa version Lego, avec Faucon, c'est leur petit planeur, et ses deux customs. Serre, donc c'est une des pioches. Vélo, sa deuxième pioche avec les deux customs. Le Katana Kunai, il y a deux customs également, c'est un premier accessoire de dos. Et Kamadou, le deuxième accessoire de dos, donc le tout pour 2800 V-Bucks avec les deux customs. Hors pack, vous avez donc Kuno avec ses deux customs, sa version Lego. Et Kamadou, c'est un accessoire de dos avec ses deux customs pour 1500 V-Bucks. Kenji avec ses deux customs, donc avec sa version Lego. Et Katana Kunai, accessoire de dos et ses deux customs pour 1500 V-Bucks. Les serres, c'est une première pioche pour 800 V-Bucks avec les deux customs. Vélo, sa deuxième pioche avec les deux customs pour 500 V-Bucks. Le Faucon avec ses deux customs, le planeur pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez les retours de Grailleur, donc avec fait partie ensemble Jugement Dernier saison 1, chapitre 2, avec sa version Lego, avec son mini Grailleur qui est son accessoire de dos, le tout pour 1500 V-Bucks. Le soldat au crâne avec ses 4 customs, avec sa version Lego et des 4 supplémentaires pour des nouvelles customs pour avoir son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, légendaire. Isabelle avec ses 4 customs, son armée incantatrice, donc incantatoire, pardon, qui sont immates intégrés, vous permettent de changer de style instantanément avec sa version Lego. Les dessorts. 3 volume 3, c'est son accessoire de dos avec ses deux customs, le tout pour 1500 V-Bucks. La poisseuse, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le bâton d'astrolomètre, c'est sa deuxième pioche pour 800 V-Bucks. La marche joyeuse, c'est une petite emote, donc saison 1, chapitre 2, donc pour 500 V-Bucks. Shifumi, notre petite emote, donc la variante avec des ours, c'est interdit, saison 3, premier chapitre pour 200 V-Bucks.
Ensuite, vous avez As de la Tempête, donc avec ses 4 customs, donc il n'a jamais vu ses concurrents autrement que dans le rétroviseur. Quand il est mordu de la route, saison 4, chapitre 2, donc avec ses 4 customs, donc c'est juste la couleur de sa tenue qui change, donc voilà. Avec sa version Lego, le tout pour 1200 V-Bucks. Asphalt, donc c'est le même ensemble avec ses 4 customs et sa version Lego pour 1200 V-Bucks. La lame Octane, c'est leur pioche et ses 4 customs pour 800 V-Bucks. Le retour de Banshee avec ses 2 customs, donc elle fait partie de l'ensemble. Lapin Guerrier, saison 9, premier chapitre, donc avec sa version Lego. Et son Moshi accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Jonizy Original qui fait son retour, donc saison 4, chapitre 2, donc avec sa version Lego, le tout pour 800 V-Bucks. Le Pumper Nickel, donc c'est une petite emote d'une air, saison 5, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Soulève le toit, donc allez-y sans complexe, saison 1, chapitre 2 pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales, donc avec un peu de tout, du Lady Gaga, The Weeknd, etc. Donc vous avez toutes les pistes musicales pour 500 V-Bucks, donc n'hésitez pas à les acheter pour les avoir dans votre casier tout simplement, mais sinon vous les retrouvez toutes dans le Fortnite Festival, et si vous avez Professional Pass, vous avez certaines de ces chansons. Ensuite vous avez toujours le pack Lady Gaga, donc pour 2800 V-Bucks. Voilà, avec hors pack, vous avez donc Gaga Chromatica avec sa base Chromatica pour 800 V-Bucks, le micro Chromatica pour 800 V-Bucks, la plus exaltante c'est sa petite emote, et Stupid Love c'est sa petite piste musicale pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez équipez-vous pour le Fortnite Festival avec la guitare, donc une petite guitare pour 500 V-Bucks. Le rétro, c'est le micro pour 500 V-Bucks. La fracassante, c'est la basse pour 800 V-Bucks. Le kit perturbateur, c'est la petite batterie pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le fait bombier moteur avec le pack Loup-Garou, donc avec le châssis Loup-Garou, avec ses stickers anti-éclipse, Arcadia, grosse griffure, change-forme, bande et pour finir pro, le tout pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez les petites chakrams, donc les roues que vous retrouvez dans les trois modes de jeu Fortnite, Rocket Racing, Battle Royale et sur Rocket League pour 600 V-Bucks. Le Tycoon, donc c'est un petit turbo pour 400 V-Bucks. Le missile magique, c'est un autre petit turbo pour 250 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack Jaguar 619, toujours avec le Jaguar 619, avec ses stickers pour du circuit, euphorie, kraken, avis de tempête, bande et pour finir le sommet pour 1700 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Avatar, Kuno et Katara pour 3200 V-Bucks. En pack, vous avez donc Kuno pour 2000 V-Bucks, le Katara pour 2000 V-Bucks également. Le pack Toph Typhoon donc pour 2000 V-Bucks avec le turbo le tourbillon d'air qui est sa petite emote. Voilà. Ensuite, vous avez Fête des Lanternes avec le pack du casier de Power Shang, donc avec l'agent secret et ses deux customs, sa version Lego, avec son sac de prospection, accessoire de dos. L'âge astral, c'est sa pioche. Le chimère de feu, c'est son petit planeur. Et pour finir, Rêverie, c'est sa petite emote, le tout pour 2500 V-Bucks. Hors pack, vous avez agent secret, donc avec ses deux customs, sa version Lego et sac de prospection, avec ses deux customs pour 1500 V-Bucks. Le chimère de feu, son petit planeur pour 1500 V-Bucks. L'âge astral, c'est sa pioche pour 1200 V-Bucks. Rêverie, sa petite emote pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Boulevard Blanéaire pour 1900 V-Bucks. Le kit Promenade de plage pour 1500 V-Bucks. Le cabanon de plage pour 1200 V-Bucks. Le pack Château de Chevalier du Lion pour 2500 V-Bucks. Le choix des chevaliers pour 1400 V-Bucks. La muraille des chevaliers pour 900 V-Bucks. Le tout, c'est tout pour le Fortnite Festival. Pour le Lego Fortnite, pardon, excusez-moi. Et pour finir, le choix du mage donc pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez la possibilité d'acheter 25 niveaux de passe de combat. Ensuite, vous avez le pass Festival pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'Arena de Galaxy pour 28,99€. Le pack Winterman 2.0 pour 18,49€. Donc, avec un accès permanent à la campagne sur le monde, vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans le monde. Terminez la défense du bouclier de la base de 3 pour des virus secrets dans un pack de défi. Donc, il comprend la tenue Winterman de Vanderbot, pardon, avec sa version Lego, avec son bleu lit accessoire de dos et la fiole à frapper qui est sa pioche, tout simplement. Ensuite, vous êtes sur le pack démarrage opération fluo pour 3,75€. Voilà. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets exclusifs au club, dont une nouvelle étape est dévorée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium. Donc, grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Ce jeu passe de combat pour 150 V-Bucks. Vous recevez une V-Bucks chaque mois à date de facturation du club, et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Arès avec sa version Lego, sa cape de guerrier, son accessoire de dos, et la Dorise Immortelle qui est sa pioche, donc tout ça pour 12€ par mois si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Vous nous avez terminé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager au maximum, les amis, à votre famille, à vos amis, à qui vous voulez partager les vidéos, la chaîne. Soyons fous, soyons plus nombreux.
Donc n'oubliez pas, hein, le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et le commentaire, franchement, allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, je ne mords pas, je ne mange pas. Donc allez-y, mettez le pouce bleu et le commentaire, je veux voir. Je sais pas moi, 20, 50 pouces bleus et 50 commentaires, ce serait vraiment idéal sur toutes les vidéos. Franchement, ça serait bien. Enfin, déjà sur celle-ci. Déjà, si la vidéo vous dit que vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Franchement, moi, je lis tous les commentaires, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Si t'es pas encore abonné, vous êtes encore nombreux. Vous êtes 80%, vous imaginez. On n'est que 12% sur la chaîne à regarder des vidéos. On est 80, et vous êtes 80% à regarder des vidéos, mais vous n'êtes pas abonné 80%. C'est énorme. Alors que c'est gratuit, tu cliques en bas à droite. C'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner, tu peux activer avec la cloche de notification pour être notifié de la prochaine sortie vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code de l'année 2023, maintenant c'est celui de 2024, c'est le code Brasier en majuscule ou en minuscule, on s'en fout, ça marche quand même, vous mettez fouillé, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye!